Est-ce que l'on peut dire que pendant une vingtaine d'années, votre épouse, vous et Bekchinsky, vos vies ont été liées? D'abord, comment je me suis lié à lui? Pendant un certain temps, je racontais à mes amis, dans des dîners, dans des rencontres, que nous avons vu un peintre extraordinaire et nous racontions un peu ce que nous avons vu. Et nous ne connaissions pas le nom de ce peintre. À un certain moment, à Paris, dans un dîner chez des Polonais, architectes, nous avons parlé de ce peintre extraordinaire qui nous a tant impressionnés. Et la maîtresse de maison a dit: Ah, je sais de qui il paraît vous parler. Ce type s'appelle Bekchinsky et j'ai deux tableaux de lui. Donc, nous sommes montés au premier étage, elle m'a montré deux tableaux. J'ai immédiatement reconnu cette peinture. Et là, j'ai décidé d'acheter quelque chose de lui. Je suis allé en Pologne, je suis allé dans cette galerie, et j'ai tout de suite acheté deux tableaux. J'ai acheté ces deux tableaux, mais je ne savais pas très bien s'il faut donner une suite ou s'il faut s'arrêter là. La chance a voulu qu'en partant de Pologne, je demandais à une autre personne chez qui j'ai dîné: Est-ce que tu as eu un bottin? Je l'ai appelé, je lui ai dit: Monsieur, je suis votre admirateur, j'ai acquis deux tableaux de vous, et je voudrais que vous me receviez un jour pour que je voie votre atelier. Peut-être vais-je acheter quelque chose. Et il m'a dit: Là, vous pouvez venir, je suis disponible. Et je suis venu le voir, et tout de suite, je lui ai acheté, je crois, 4 ou 5 tableaux. Je lui ai dit: Vous savez, je voudrais ouvrir une petite galerie d'art à Paris, donc est-ce que vous voudriez se lier à moi et me donner l'exclusivité pour l'étranger de vos tableaux? Il m'a dit: Pour l'intérieur, pour la Pologne, je ne peux pas parce que je suis lié à cette galerie qui m'a. Où j'ai acheté deux premiers tableaux, mais pour l'étranger, j'y suis ouvert. J'ai donc tout de suite acheté d'autres tableaux à lui, et je les ai amenés à Paris, et j'ai essayé de trouver une galerie d'art qui pourrait l'exposer. Quand vous partez en Pologne, Oui. vous aviez déjà envie d'ouvrir cette galerie ou c'est venu après la discussion avec lui? C'est venu avec la discussion avec lui parce que j'étais encore incertain. Vous n'aviez pas de Non, plan j'étais préétabli avant de encore partir. incertain, j'étais pas sûr de moi. Je ne savais pas si mon admiration ne s'évanouira un jour et si je fais. C'est lorsque je décidais de signer le contrat, là, j'étais certain. Et c'est en voyant les tableaux chez lui. En voyant les tableaux chez Et le lui, bien sûr, personnage? absolument, voyant les tableaux chez lui, en achetant les tableaux chez lui, j'avais l'idée décidée, j'étais décidé à faire quelque chose à Paris. Quoi? Je ne savais pas encore.
Mais toujours est-il que quand je suis revenu à Paris, j'ai commencé à chercher une galerie d'art pour qu'il expose. Personne n'a voulu, personne n'en a voulu. Et là, au bout d'un certain temps, j'ai eu la chance de tomber sur un Polonais qui avait une galerie d'art rue de Seine. Et j'ai fait ma première exposition. Cette exposition, j'y ai mis vraiment tout mon argent, tout l'argent de ma femme qui gagnait bien sa vie en tant que mannequin. J'étais dans un état euphorique, tout ça passait bien, les gens me félicitaient énormément, les gens venaient voir l'exposition, j'étais dans un état d'euphorie. Et j'ai commis une erreur fondamentale, une erreur de débutant, de naïf. J'étais tellement amoureux de ces tableaux que j'ai établi des prix excessifs. Donc je n'ai rien vendu. Comme j'étais partisan de refaire une nouvelle exposition, ma femme était contre. Elle disait « laisse tomber ». J'ai dit « non, pour s'en sortir, il faut faire une seconde exposition ». Et nous avons fait au même endroit, dans cette galerie Valmet rue de Seine, en 86, une exposition d'autres tableaux, et cette fois-ci avec des prix réalistes. Ce qui fait que j'ai vendu plus de la moitié, sinon plus. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos rapports avec lui? Vous écriviez dans la biographie de votre deuxième livre, je crois, « Personnage charismatique et d'une grande profondeur d'esprit, il n'appartient à aucun groupe idéologique, il hait et méprise la politique ». Néanmoins, vos rapports n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Nos rapports, au début, ont été très bons au départ. Au départ, ils étaient très bons. Mais ils se sont brusquement dégradés après la première exposition. Parce que lui, il était professionnel. Quand il a appris les prix des tableaux que j'ai affichés, il s'est attrapé la tête. Et puis, les rapports sont devenus de plus en plus difficiles. Il était très critique de tout ce que je faisais. Il estimait qu'il n'a rien à voir avec Paris et avec le monde. Ce qui l'intéressait, c'était la Pologne et son renom en Pologne. Donc, tout ce que je faisais était inutile, excessif, mal fait, débutant, amateurisme. Et il me le reprochait. Et puis, il avait eu ce problème d'argent. Quand il a vu que j'ai cette galerie et que rien ne marche dans cette galerie, c'est-à-dire j'avais beaucoup de gens qui visitaient, mais rien ne se vendait, ni de lui, ni d'autres peintres, il a commencé à craindre ma faillite. Donc lui, il a pris peur que lui aussi va couler avec moi, et ça l'a rempli de peur de perdre ce revenu constant qu'il avait de ce que je lui payais, de perdre le renom, d'être perdre peut-être le tableau qu'il avait chez moi qui n'était pas encore payé. Et ce qui l'empêche,
que quand je venais en Pologne et je venais chez lui, tout changeait. Il était adorable, drôle, parce que c'était un homme non seulement très intelligent, mais très drôle. Il savait vraiment, il était toujours souriant et c'était deux mondes totalement séparés. Ce qu'il m'écrivait dans les lettres, c'était la haine. Et quand il nous recevait, je venais avec des beignets. Il adorait des beignets. On bouffait des beignets avec ma femme. On se faisait des photos et tout était adorable. Après quoi, à nouveau, revenait cette crainte que je ferais faillite et ces constantes demandes d'argent, d'argent, d'argent. Vous pensez que l'homme était plus complexe que sa peinture Il encore? est extrêmement complexe, extrêmement complexe. C'était un homme d'autant plus. D'abord, il avait de multiples talents. Il était photographe très reconnu en Pologne, puis il était sculpteur et dessinateur très reconnu en Pologne à l'époque où il ne peignait pas encore. Il ne s'intéressait pas au monde. Il était largement paranoïque. Il avait ses peurs me concernant, mais pas seulement moi. Tout lui faisait peur. La façon dont il s'est barricadé dans son appartement, c'était déjà la preuve de ses peurs. Il avait peur constamment de tout et de tous. Il ne voyageait nulle part. Il n'est jamais allé à l'étranger. Il n'a jamais pris l'avion. Je le priais de venir à Paris. Je lui disais, ça va monter la valeur de l'exposition si tu viens, si tu... Mais je ne parle pas la langue, non, je ne bouge pas. Et il n'est jamais venu dans aucun de mes vernissages, ni à aucun vernissage des expositions nombreuses que lui faisaient des autres en Pologne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, enfin, votre vision de sa peinture, de son univers, le côté peintre? Peintre, écoutez, ce qui m'a séduit et ce qui me séduit jusqu'aujourd'hui, c'est l'atmosphère de sa peinture, l'atmosphère des tableaux que j'ai découverts dans cette galerie à Lodz. Ça m'a frappé par cette atmosphère stupéfiante, terrifiante, en même temps élevée, et en même temps omniprésente. C'était quelque chose qui m'a impressionné, non pas par la qualité de la peinture, parce que je ne m'y connaissais pas du tout à l'époque. Je ne savais pas du tout. Je ne m'intéressais pas, mais l'ambiance de ces tableaux m'a complètement subjugué. Je ne suis pas croyant, mais il y a là quelque chose de mystique presque. Si vous voulez bien, on va parler maintenant de la galerie à Beaubourg, À Beaubourg. votre galerie, Oui. où là vous passez encore, je disais que votre vie, vous avez plusieurs vies, mais là vous n'êtes plus que collectionneur, on va Je dire que suis entre guillemets, galériste. vous êtes aussi galériste. Je suis galériste, je Est-ce suis... que, alors, la question que je pose dans ces cas-là, est-ce que c'est compatible? Collectionneur et galériste. Mais non, justement pas. Mais justement pas. C'était l'erreur que je commise depuis le départ. Je Certains croyais disent que que je... c'est possible. Comment? Certaines personnes disent que c'est possible. Moi, pour c'était impossible, parce que je vous répète, je suis incapable de me séparer des tableaux que j'aime. Je suis incapable. Pour vous, un galeriste ou un collectionneur peut avoir de l'influence sur l'artiste qu'il défend Sur ou l'artiste, pas écoutez, artistiquement? je n'ai jamais. C'était. Voilà comment les choses se sont présentées avec Bechinski et avec les autres. Je commençais par les autres. Je n'intervenais pas. Je prenais ou je ne prenais pas. Donc, je ne cherchais absolument pas à les influencer dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, c'était des aventures assez ponctuelles. Et donc, reste Bechinski. Là, il était intraitable sur le plan de sa peinture. Il n'acceptait absolument pas les pressions de qui que ce soit
pour peindre comme ci ou comme ça. Il peignait comme il avait envie. Mais une seule fois, ou pendant que j'étais dans un de ces trous dans lesquels je me foutais tout constamment financièrement, je lui ai dit, écoute, ne pourrais-tu pas peindre quelques tableaux moins morbides pour que je vende, parce que rien ne se vend. Et après un jour ou deux de réflexion, il a dit, d'accord, je le ferai. Donc je lui ai demandé, fais-moi quatre tableaux moins morbides pendant 4 ans. 4, 4, 4, 4. Donc il en a fait immédiatement 16 pour avoir la paix. Il a dit, jamais, jamais plus, je ne me ferai orienter comme ça. Jamais plus je ne le referai. Et vous les Et avez vendus? que j'ai. Je les ai vendus parce que c'est, ils étaient faibles. Ils n'étaient pas. Mais il y avait un tableau qui était bien, très bien, mais les 15 restants étaient faibles. C'était manifeste qu'il détestait son travail au moment où il peignait ces tableaux. Vous l'avez sorti de sa vérité, en fait. Oui, il a dit jamais plus. Et là aussi, il m'en a voulu parce que il n'a jamais cédé à des critiques qui voulaient qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela. Et là, il a fait une concession à moi. Il m'en a voulu. L'une des raisons pour lesquelles il me détestait, c'était que je lui ai fait, disons, se parjurer lui-même. Si on pouvait parler un petit peu de cette exposition que l'on a faite au Grand Palais, parce que c'est un peu le but aujourd'hui, nous sommes là pour ça Oui, aussi. oui. En 2018, j'étais fraîchement élu président du Salon des dessins peintures à l'eau, et je vous ai tout de suite, quasiment, ça a été la première chose que j'ai fait, demander, proposer de faire une exposition de Bunczewski. Vous m'avez répondu, en France, c'est terminé. Mais au nom de ce que vous avez fait avec moi et pour moi il y a 30, 40 ans, je vous dis oui. Et donc, on a pu organiser cette Tout formidable à fait, exposition. tout à fait. D'abord, je me souviens de vous en tant qu'organisateur d'une exposition qui m'a marqué. Vous l'avez fait dans cette exposition il y a des années, c'était en 80, je ne sais pas, 4 ou 5, quelque chose comme ça, à Bouffemont. Une excellente exposition. Vous avez exposé, je crois, 4 ou 5 tableaux de Bekchinski d'une manière très spectaculaire. Ça m'a frappé, c'était très bien fait. Et les autres, d'ailleurs, peintres étaient très bien aussi. C'est une excellente exposition. Et de là, date notre connaissance et notre sympathie. Bref, lorsque vous m'avez entretenu de ce projet de Grand Palais, j'ai dit, bien entendu, pour vous, absolument, j'ai mis la croix sur la France. Je ne veux plus rien faire en France. Je ne veux rien avoir avec la France. Mais lorsque vous m'avez demandé, j'ai dit, bien entendu, que oui. Et donc, je vous ai donné tous les tableaux que j'avais ici chez moi et qui étaient stockés à Paris.
Et c'était une excellente exposition qui a eu énormément, énormément de succès. Oui, c'était, ça a été un gros succès. Ça a été un choc pour beaucoup d'artistes exposant au Grand Palais. Oui. Ça a été un choc pour le public. Oui, absolument. Mais toujours pas un choc pour ce qu'on appelle l'establishment. Ah non, ils n'ont pas bougé. Il n'y a eu qu'un seul article fait par un certain journaliste d'origine, je crois, anglo-saxonne, qui travaille à Radio France Internationale, qui était le seul à faire un papier sur Bekchinsky et au palais. Et sinon, silence total. On n'en parle pas, ça n'a pas existé, rien, personne n'a rien vu. Donc le public est enthousiaste. Vous avez mené de nombreux combats à cette époque pour vos artistes, surtout pour Bekchinsky, pour essayer de le faire connaître officiellement en France. Est-ce que de tous ces combats aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? Rien. Rien. Que de l'amertume ? Beaucoup, beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume et beaucoup... beaucoup de, disons, d'influence sur ma façon de voir le monde. Ce n'est pas seulement pour l'art, ni pour la peinture, ni pour Bekchinsky, mais cette méchanceté de certains, cette indifférence des autres en France, ce mépris qu'on me affichait partout quand je venais avec Bekchinsky,
Ça m'a, ben non, ça m'a rempli de telle rancune et de tel dégoût de l'humanité que je garde jusqu'à aujourd'hui. Ça dépasse le cadre de Bekchinsky. Vous avez toujours les traces. J'ai des traces profondes. J'ai des traces profondes. Je suis devenu un misanthrope. Ce ne sont pas des traces, ce sont des cicatrices. Ce sont des cicatrices profondes. Donc l'avenir, enfin l'espoir, c'est en Pologne. L'avenir, il se situe uniquement en Pologne. Et vous avez un rêve, sûrement, en Pologne. Oui, mon rêve, c'est de bâtir un musée de Bekchinsky à Varsovie. J'ai créé une fondation qui, après notre décès, doit reprendre la propriété de toute la collection et qui doit s'efforcer de trouver de l'argent pour faire ce magnifique musée qui est mon rêve de la fin de ma vie. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci, Piotr. C'est moi qui vous remercie.